Salut tout le monde, c'est Learn to Play. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super super bien. On se retrouve aujourd'hui pour le septième épisode de StarCraft 2, il me semble, de la campagne plus précisément. Et comme à notre habitude, avant de débuter la mission du jour, on va s'attaquer à toutes les petites interactions que nous pouvons voir ici et tout de suite, Ticus, comme d'hab. T'as déjà croisé le docteur Hanson? Ah, ça oui, joli petit lot. Je lui ai demandé si elle voulait pas me faire un examen rapproché. Pas de mal à poser la question, hein. Mais faut croire qu'elle a déjà des vues sur un faux dur. Ah ouais? Et ce serait qui? Oh, je sais pas. Une sorte de chevalier blanc descendu du ciel pour sauver sa colonie, peut-être. Bordel, Jimmy, t'as vraiment jamais rien compris aux femmes. Je crois pas. Je déconne. Bon, maintenant les infos. Denis Vermillion pour l'UNN. Nous avons Kate Lockwell en duplex d'Agria, une colonie de la périphérie. Kate, vous êtes là? Non. Non, c'est Bien. pas moi. Il semblerait que nous ayons un problème de son avec. On me dit que l'empereur Mengsk va s'adresser à nous en direct. Rejoignons le site de son allocution qui est déjà en cours. Avec l'aide des plus grands esprits militaires, et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'ils seront bientôt dirigés par le héros de Taurus en personne, le général Horace Warfield. Warfield? Je croyais qu'il était à la retraite depuis des années. C'est qui? Avec la fine fleur de l'armée du Dominion sous la férule du général Warfield, je peux vous annoncer en toute sérénité que cette nouvelle menace Zerg sera très bientôt sous contrôle. Mon cul, oui. Et voilà, chers téléspectateurs, avec Warfield aux commandes, la nuée Zerg sera vaincue en un rien de temps. À suivre, Raynor intensifie sa campagne de terreur, précisément lors du retour des Zerg. Coïncidence, à vous d'en décider après ces quelques messages. Oh, je veux voir la pub, moi. Oh, ah là là, craigne à mort. Bon, j'ai pris de nouveaux contacts. Je te parle en affaire. On va voir s'il y a des nouveaux mercenaires disponibles qu'on pourra acheter. Ah, oui. Des chiens de l'enfer. Ouh, ça m'intéresse, ça. Oh, oh, deux flammeurs d'élite. Alors ça, ça tue, ça tue, ça tue. On va pas les prendre maintenant. je sais, je suis con, c'est pas grave. Vous êtes trouvé quelques colons. Oh, et une jolie doctoresse. Ah, j'adore comment il tu faudra parles. Faire attention. Ah, j'adore comment. On va faire un tour à l'armurerie, bien évidemment, en premier. On ira ensuite à la passerelle, puis on fera un tour au laboratoire. Et nous avions déjà le... mince, je clique dessus en plus. Nous avions le maraudeur et nous avons ici le flammeur qui a rejoint l'équipe, qui est juste trop classe. L'armure du flammeur contient un mélange gazeux volatile qui s'infiltre souvent dans le compartiment de l'opérateur. Cela pourrait expliquer pourquoi les flammeurs sont presque exclusivement des criminels resocialisés ou des pyromanes psychotiques. D'accord. Bah ouais, c'est bien ce que je dis. En fait, c'est que des tarés criminels. Hein. C'est pas con. Hein. C'est vraiment pas con. Mais c'est un peu horrible. Les lance-flammes perdition arrosent des ennemis de combustoplasma. Le plasma s'infiltre facilement dans les brèches des carapaces des ergues. Les créatures les plus petites sont littéralement rôties vivantes de l'intérieur. D'accord. Le feu retire la peau des os et les péchés de l'âme. Il nettoie tout ce qui est sale et ma maman m'a appris à être un garçon propre. D'accord. Franco Tildon, reconnu par la plupart comme le premier flammeur en service actif tueur en série réformé. D'accord. Ok, en fait c'était juste un gros malade mental. Enfin bref, il a juste la classe. Au retour, on va parler à notre cher Swan. Je vais traîner ces colons dans mon armerie. Sinon, on court au désastre. Mais non, t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Maraudeur. Ah, infanterie, oui, c'est bon. On a les flammeurs maintenant. Flammeurs, est-ce que les flammeurs bénéficient d'une attaque de zone plus large de 40%? Alors, ça, c'est sévère. Hein. Deux points d'armure dans ça, on s'en branle. Ça, c'est quoi? Gagne une portée. Ah oui, ça j'avais vu. J'avais dit que je m'attaquais au maraudeur. Le maraudeur me donne. Ouais, non, c'est pas très utile.
Ou alors celui-là. Ah, j'hésite, je sais pas, les amis, je sais pas. Franchement, je sais pas. Au pire, on va s'en acheter plusieurs. Allez, on va s'acheter lui, puisque j'avais dit que je le ferais acheter. Voilà. Et on va s'acheter celui-là. Allez, c'est parti. Hop, on achète. Base, est-ce qu'on a des nouveaux trucs? Ah oui, tourelle, on peut améliorer nos tourelles. Bon, enfin, c'est pas grave. Ok, on a fait nos petites emplettes. Maintenant, on va. On va d'abord aller au laboratoire, tiens. Voir s'il y a du nouveau. Il nous faut plus de prélèvements. Recherche. Ah, est-ce que j'ai de quoi débloquer? Oui, j'ai de quoi débloquer. Recherche proto, j'ai pas encore assez. Ah non, j'ai pas encore assez non plus. D'accord, il nous faut 10 points de recherche pour faire une nouvelle découverte. Et là, il nous en faut 5. D'accord. Ouais, ça, c'est le minerai, on avait vu. Ok, bon. Passerelle et on commence la mission. Ah, on a un nouveau personnage. J'ai beaucoup entendu parler de vous, commandant. Oh. Le Dominion vous a toujours dépeint comme un criminel, un terroriste. Vous êtes un homme plus complexe qu'il n'y paraît. Ouais, le Dominion étant ce qu'il est, il faut bien que quelqu'un prenne la défense des opprimés. Une chose est sûre, ce ne sera pas Mensk. On dirait que l'Empereur s'en fout éperdument. Mes concitoyens d'Agria, toutes les populations déplacées d'un bout à l'autre du secteur, tout le monde a fui vers une zone de transit de réfugiés sur Meinhof. Il y a des rapports qui font des de violence et d'épidémie dans les camps, mais l'Empereur ne fait rien. Je verrai ce que je peux faire, Doc. Ah, je sens qu'on va devoir réaliser des missions pour l'autre criminel rouge qui brille et puis cette jolie jeune fille. Enfin, ça voilà. Fait plaisir quoi. Je sens bien. Pu aider ces gens. Ouais. Il y en a des millions d'autres qui ont autant besoin d'aide. On ne peut pas être partout, commandant. L'important, c'est d'avoir montré l'exemple et de leur avoir rendu espoir. Chaque fois que nous aidons des gens dans le besoin, c'est un nouveau pas vers un avenir meilleur. Je sais, oh, c'est tellement beau. Mais ça fait 4 ans et on n'est toujours pas prêt de renverser Mensk. Et maintenant que les Zergs reviennent s'en mêler, ton avenir meilleur ferait mieux de se ramener vite fait. Sinon, il ne restera plus personne pour en profiter. LOL. Allez, bon. Maintenant, on va s'attaquer à la mission, enfin. Oh, on a 3 missions disponibles. Alors on va voir celle-là, Belchir. Sur Belchir, il y a un gaz rare que les protoss appellent le souffle de la création. Ah oui, c'est Ils vrai. Ils pensent que c'est un cadeau de leur dieu. Nous, on appelle ça la terrazine. Et ça vaut une fortune si vous savez à qui en proposer. Bien sûr, les protoss nous tueront s'ils nous surprennent sur leur terre sacrée. Enfin, ils essaieront. Ah oui, ils essaieront. Deuxième mission, Meinhof. Les populations réfugiées de tout le secteur se servent de Meinhof comme d'une zone de transit. Mais avec autant de gens dans un espace si restreint, une sorte d'épidémie a commencé à faire des ravages dans les camps. Je vous en prie, mes concitoyens ont besoin d'aide. Nous devons faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Ouais. Tarsonis. On nous a signalé une nouvelle opération de récupération de matériel de char, sur Tarsonis. Ils ont déployé un grand nombre de trains de ravitaillement avec une sécurité minimale. Si nous interceptons les trains et que nous récupérons leur chargement avant qu'ils ne quittent la planète, il pourrait y avoir un gros bénéfice à la clé. Ah, j'hésite. Belchir. Tourmenteur. Ah, j'hésite. Bah écoutez, on va faire... Là, ça nous donne quoi? Deux points de recharge. Non, on va faire Belchir, les amis, écoutez. On va faire... Je sais pas. Du gaz terrazine. Allez, on va se le faire en normal, écoutez. Normal. Je vais peut-être pas faire toutes les missions en difficile. C'est plus sympa que Pierre Rouge, non? J'aime autant pas me battre contre les protoss si je peux l'éviter. Pas des protoss comme les autres. Ah oui. Des fanatiques appelés Daldarim. Des tarés, quoi. Ils pensent que la terrazine est sacrée. Un cadeau d'Excel Naga. Si les Taldarim envoient des troupes aériennes, ils vont nous dégommer. Swan, envoie les diagrammes du Goliath à l'usine. Si leurs missiles anti-aériens sont encore efficaces, on devrait s'en sortir. Très bien, Cowboy. Je vais transférer les plans pour qu'on puisse en construire d'autres. Comment on extrait la terrazine? Vous voyez ces hôtels? Les mystiques Taldarim les ont installés pour collecter la terrazine. On n'a plus qu'à servir. Bien. Nos VCS pourront charger la terrazine. Il nous suffira d'assurer leur protection.
Avec un peu de chance, on aura récupéré ce dont on a besoin avant que les Tal'Darim nous aient repérés. Très bien. Mettons-nous au travail. Ouais, je le sens mal, là. Hein. Ça sent le plan foireux, là. Ouais, hyper mal organisé. Enfin, bref. Surtout que les Protoss sont pas très amicaux. Ils pètent un câble vite, en général. En plus, ça, c'est des fanatiques de je sais plus quel dieu. Enfin, bref. Protégez toujours vos Protégez toujours vos VCS avec une escorte lorsque vous récoltez de la terrazine. Merci. La mission l'enfer vert, c'est le cas de le dire. Très vert, avec un joli teint vert. Des jolis trucs verts dans l'espace. Assez chelou. Je voulais vous dire pour la vidéo que j'ai postée précédemment, c'est-à-dire CitizXL 2012, il me semble. Je m'excuse sincèrement pour les bandes noires. Cette foutue bande noire qui s'est foutue au milieu. C'est mon logiciel de montage qui a bugué. Je l'ai réinstallé et normalement, ça devrait le faire. Enfin, je dis bien ça devrait le faire. Hein. Si la bande est là pendant que vous regardez cette vidéo, c'est que je n'ai malheureusement pas réussi à régler le problème. Enfin, bref. Mais ça devrait bien se passer. Oh. Alors c'est ça, les fameux Goliath. D'accord. Donc, alors, ici, on a notre bâtiment de mercenaires. Voilà les coordonnées des sites de Terrazine, mon frère. Ça devrait nous rendre la vie un peu plus facile. Oh, ok. Nos VCS peuvent ramasser les barils de Terrazine et les déplacer. Il leur faudra sans doute un moment pour les déconnecter. Donc, pense à les faire protéger. Ouais, t'inquiète pas, je suis pas idiot non plus, hein. Bon, bah on va sécuriser le premier point. Hop, on va ramener un VCS ici. Alors, récolter de la terrazine. Les protos ne doivent pas sceller cet hôtel. Trouver les reliques protos. Ah, on va devoir trouver. On va devoir trouver des reliques protos. D'accord, bon, on va essayer de faire ça. Terrazine, ouais, usine, ouais, bon, voilà. D'accord, alors. Il récolte et la barre diminue quand il a fini de récolter, d'accord. Donc, je sens qu'on va avoir de la visite plutôt rapidement. Va falloir faire les améliorations plutôt rapidement. On va faire du VCS à gogo, du Marines. On va faire ça comme dans les on va prendre un petit VCS. On va aller faire récolter le deuxième. J'ai failli attendre. On va sécuriser cet endroit. Cette terre était sacrée pour les Tal'Darim avant même que les Terrans s'envolent vers les étoiles. Oh. Partez d'ici sur le champ. Tu m'as vu ou c'est quoi bon. On a seulement besoin d'un peu de ce gaz, et ensuite on repart sans rien toucher. Non, vous ne profanerez pas le souffle de la création. Oh, je crois que je crois qu'on s'est mal compris, Michel. Voilà. Oula, point de sauvegarde. Les protos se mobilisent, commandant. On dirait qu'ils vont s'en prendre à nos VCS pendant la collecte de la terrasse. Je vous suggère d'aller vider les sites un par un sous bonne escorte. Mais t'inquiète pas, Michel. Bon travail. C'est notre premier baril plein. Toi, tu vas aller tourner celui-là. Oh, relique Protoss. On a une déjà. Ah oui, il y a des trucs sur les côtés. Ah oui, il faut un dépôt de ravitaillement. J'y avais pas pensé. Bon, on va en construire deux d'affilée, ouais, ça va le faire. Là, on a deux Pensoy. Audacieux, monsieur Raynor, de récupérer le gaz Terrazine à deux endroits à la fois. Bien sûr, ça va être plus dur de tenir les Tal'Darim en respect. Mais plus vite on en aura terminé, plus vite on pourra décamper. Ouais, je confirme. Puissance de feu nourri, ouais. Ici, on va faire une petite intervention. Vous allez m'en construire deux autres. Non, je ne veux pas sélectionner. Ah, j'ai pas assez de minerais. Oula, oula, là, 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 là. Effectivement, je manque de minerais. Demande assistance. Oh non,
6. Vous ne déroberez pas si facilement le souffle de la création. Mais si... Prudence, ils envoient leur vaisseau pour détruire vos VCS. Descendez-les vite, ou on est cuit. Mais ça, je te dis, c'est des gros tarés, là. Ils valent rien. Ils sont censés valoir rien. Je dis bien, ils sont censés ne rien valoir. Oh! Oh non. Oh, oh, oh. Faut que mes Goliaths tiennent. Non, ça va pas le faire. Et de 3, vous faites du bon boulot. Mais hey. Ah, mais j'ai pas assez de minerais. Quoi ? Non, mais t'es pas sérieux là ? Ouais, bon, là ça va être un peu chaud. Un peu chaud patate là. Merveilleux. Les Taldarim scellent les hôtels de Terrazine pour qu'on ne puisse plus en profiter. Si non, continue, non. Nous ne pourrons plus en récupérer suffisamment. Non, non, bon là je... Attendez. On va tester ici. Il me faut une armée là. Ah merde. Shit. Bon bah j'en ai perdu. Hein. Écoutez, on va attendre un peu pour se refaire des mecs. Parce que là ça va plus. Voilà, on va les mettre là. Faut vite avant qu'ils les scellent, faut vite qu'on fasse des trous. Voilà. Putain, excusez-moi. J'ai failli éternuer. Allez, toujours. On n'a pas assez de production. Écoutez, on va faire une attaque parce que là ça va pas là. J'ai vraiment pas assez de minerais. Hein. Et il commence à sceller. Est-ce que ça va vite? Mince, j'ai l'impression que ça va. Ah mince, ils ont scellé un hôtel. Bon, il y en a un qui est scellé, tant pis. J'espère que c'est du sérieux. Tant pis, écoutez, il y en a un qui est scellé. Bon d'accord, ils ont l'air d'être complètement craqués. Non. Va-t'en. Bon écoutez, on va faire ce que je vous propose, hein. C'est qu'on fasse des troupes et qu'on aille juste aller juste les poutrer là. Enfin je veux dire. Et qu'on trouve ces reliques Protoss à la con là. Bon, ça va pas être facile, hein. Je vous écoute, Captain. Ah oui, il faudrait peut-être qu'on fasse une... Ouais, une armurerie, ce serait pas mal. Et on va faire hop, ça, amélioration d'infanterie. Alerte, les Taldarim sont en train de sceller un hôtel de terrasse. Les Protoss ne doivent pas sceller un hôtel. Je suis sûr qu'à mon avis, ils voulaient pas qu'on en scelle un et que ça va être un haut-fait. Mais bon, c'est pas grave, hein. Les haut-faits, c'est pas très grave, on s'en fout. On s'en fout un peu, c'est pas très grave, hein. Je veux dire, c'est pas ça qui va nous... Bon, on va tenter de faire une attaque. Je ne vous promets absolument rien. On va essayer d'aller les déglinguer, tout simplement. Déglinguer le petit, s'il vous plaît. Demande assistance. Non, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est bon. Comment on se barre? Oh, on est des fous! Oh là 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 là! On est des malades. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, ça se présente plutôt bien. On va faire un autre Goliath.
toujours plus de soldats. Attends, on va se construire une autre caserne. Parce que j'en ai pas assez. Et on va commander nos... d'accord, ça vaut cher. Oh, comment ça va? Cet enfoiré! T'es vraiment un enfoiré, tu sais, Michel. Bon, vite, va falloir... On va prendre un VCS. Et on va aller le faire... On va aller le faire récolter, hein. Parce que là, c'est pas normal, hein. Ouais, c'est pas mal. On a un Goliath. On va en faire un autre. On va attendre d'en avoir trois. On va aller récupérer les deux ici. Et faut que je trouve les reliques Protoss, ce serait bien. Ça me ferait des points de recherche. Ce serait vraiment sympathique. J'espère que c'est du sérieux. Sinon... bon, je parle pas beaucoup, mais là, je suis concentré. Ils sont plutôt coriaces, hein. Et je comprends pas, j'ai l'impression de produire vraiment pas beaucoup de minerais. Oh, j'avais même pas vu là, la tronche du type qui nous a parlé. Oh, je suis sûr. Oh, je suis certain. Je suis certain. Non ? Oh, putain, je le voyais trop, là. La relique ici, ça aurait été juste le top, quoi. Putain, ça le faisait trop, en plus. Je suis dégoûté. Merde. Ça, ça va pas, là. Mais non. On va aller leur botter le cul. Hop. Mauvaise nouvelle ? Hey, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu vas venir là déjà. On va te poster ici. Le drone. Pah, je connais pas les drones. Je suis un putain de chat, moi, fils de pute. Oh. Voilà, et notre petit, hop, et on va envoyer deux VCS, récolter la Tétéra. La Tétéra, de Tétérazine. Un autre Goliath, on va faire la Tétérazine, connue sous le nom de Tétéra. On va envoyer juste un mec en reco, voir si on trouve... pas une autre relique. Y'a pas eu. Oh, maman, il court. Ah, y'a un autre point ici, j'avais pas vu. Non, il va décéder, lui. Ah, il est décédé. Non, mais les mecs, cherchez même pas, là. Gardien de Tal'Darim en vaisseau, ça existe pas, ça. Attendez, on va faire plus de mecs, hein. Dépôt de ravitaillement. Mais non, tu me scies les couilles. Je vois pas de dépôt de ravitaillement, là. Je veux dire, ah oui. Non, d'abord, vous niquez le dislocker. C'est ça qui fait gagner mal. Voilà, parce que ça, c'est inutile, ça. Voilà, tu vois, ça, c'est un truc de péglant. Voilà. C'est bon ? Vous êtes content maintenant ? Oh là 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 là. Dépêchez-vous de finir. Ouais, bah voilà. Oh là là. Il suffisait de demander, les mecs. Hop là, bon, et avec ça. Alerte, les Tal'Darim sont en train de sceller un hôtel. Mais non. Ça, c'est votre imagination. Vous et vos rebelles, vous savez vraiment y faire. Il ne manque plus qu'un baril. T'as vu? Ah non, ça c'est la. Alerte, putain, mais bande de trisomiques. Mais passez pas par là. Mais putain. Ces espèces d'idiots, quoi, mais ces idiots. Oh, j'ai fait le con là. Là, ces idiots sont passés par la base des Protoss.
Putain, mais ils avaient pas le droit de faire cette connerie. Non, ils ne pouvaient pas. Demande assistance. Non, putain. Il nous en faut qu'un, là. Là, il nous en faut qu'un, donc on a vraiment intérêt à se manier. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y en a un qui est scellé, l'autre qui n'est pas scellé. Voilà. Ah, j'aurais pas le temps. Ah, ils en ont scellé un. Aldarim, chaque hôtel bloqué nous retarde. Vous devriez faire sortir quelques hommes pour les arrêter. D'accord, bon. Ok, bon, on va sortir la méga armée, c'est pas grave. On va faire ça dans les règles de l'art. Sauf qu'on va prendre un petit peu. On va aller choper eux. On va aller choper eux là. De toute façon, il nous en faut plus qu'un. Moi, je veux juste trouver les reliques Protoss. C'est juste ça mon problème en fait. Ah non! Ah ouais, ils peuvent se faire réparer par les VCS. C'est ça que c'est mon. Ah, c'est trop bien ça. On va attendre les deux dernières troupes là. Allez les amis, on attend encore deux vagues de Marines. Et on y go là. Bougez-vous, j'arrive. Voilà, on attend cette vague là plus le dernier Goliath. Et on y go. Ce serait bien de trouver les deux autres reliques Protoss. Ce serait vraiment sympathique. Pour pouvoir faire nos recherches. Et développer de nouvelles compétences complètement Muteki. Tiens, on va commander ça. C'est moi que vous voulez. Voilà, avec une équipe de choc. Voilà, ben voilà, il n'y avait qu'à demander. Avec ça, si on défonce pas tout. Oh, regardez-moi ce charisme. Hop, en avant. On va aller plutôt au nord-est de la map. Hein, non, passez pas par là, bande de trous du cul. Ah, ils allaient le faire en plus, hein, ces idées. Donc, vous passez bien par là et on va récolter le dernier truc de Terrazine. Par contre, ici, il faut que je continue à produire. Les Taldarim sont en train de sceller un hôtel de Terrazine. Mais non, ça, c'est dans tes rêves. Voilà, toi, tu récoltes le dernier. Système opérationnel. Oh là, la relique Protoss. Affirmatif. Alors, c'est. La relique Protoss. C'est moi que vous voulez. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. Allons-y. Entrez. Oh, on dirait des petits fantômes. Dégage. Ouais, bah par contre, ce qui m'énerve, c'est. Pétez-moi cette tour. Oh, moutéquisme. Putain, moi regarde. Moi quand je me drogue, tu vois, regarde ce que ça fait. J'espère que c'est du sérieux. Voilà. C'est bon. C'est qui ce guignol? C'est qui ce guignolos là? Oh les jeux. Non! Toi tu vas. Toi tu passes par là. Ouais. On va faire ça comme dans les livres. Hein? Oh bah voilà autre chose. S'il se fait intercepter, je gueule. Mais non, mais défoncer le disloqueur, bande de trous du cul. Oh là là. Non, ça a fini la mission. Ah, oh, c'est ce que je craignais. Et c'est le dernier baril. Oups. Je crois qu'on est plus les bienvenus ici, les gars. Nope. Ah, oh, je suis dégoûté. Ah, oh, je vais pas avoir de haut fait, je le sens. Si, peut-être. Nope. Réussir tous les objectifs de la mission, l'enfer vert. Non, il me manquait les reliques. Ah là là, j'ai pas de haut fait. Empêcher les Protoss de tuer le moindre VCS dans la mission.
en mode normal. Ça aussi, j'aurais pu le faire. Ah, je suis nul. J'aurais pu me faire deux au fait. Empêcher les protoss de s'élever moindre. Bah, ça, c'est en mode difficile. Mais les deux premiers au fait, là, c'est vraiment bête. C'est vraiment bête. Hein. Bah, écoutez, je les referai pour les avoir. Hein. De toute façon, je referai la campagne pour avoir les au fait. Bah, pour les avoir tous. Hein. Ah, mais là, ça m'énerve. J'aurais pu en avoir deux. Je suis dégoûté. Oh, pas mal. Mais là, je suis dépité. Je ne sais même plus quoi dire. Ah là là, je suis dégoûté. Vraiment. Oh. Monsieur, hey. J'ai reçu une transmission cryptée en provenance d'une source intraçable. Elle affirme que ce Tosh faisait partie d'une opération secrète appelée le projet L'âme de l'ombre. Oh. Ils utilisaient du jorium et de la terrazine pour augmenter les capacités des fantômes. C'est vrai. On nous surnomme les spectres. Oh, excuse le mec. Génération de fantômes. Et vous attendiez quoi pour m'en parler ? On a tous nos secrets, monsieur Raynor. Ça veut pas dire que je suis une menace pour vous. Peut-être pas. Ouais. Qui a envoyé ce message pourrait bien en être une. Matt, un moyen d'authentifier la transmission ? Non, commandant. Mais elle se termine par « Je vous recontacterai bientôt ». C'est Minsk. Il veut nous monter l'un contre l'autre. Vous faites pas avoir. Laissons tomber pour l'instant. Ouais. Pour un temps que nous ne savons pas qui nous envoie ça. Ça pue la merde. Je vous aurai à l'œil, Tosh. Vous pouvez toujours essayer. Ça sent mauvais là-dedans. Nouveau projet de recherche. Ah, pas mal. Bon, eh bien, on verra ça plus tard, les amis. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Laissez un petit j'aime, un commentaire. Et on se retrouve pour l'épisode 8, il me semble, oui, de StarCraft 2. Allez, ciao, bye bye. Portez-vous bien.